Donc, on double-clique sur le masque du calque, le panneau propriétés arrive et on va améliorer le masque en cliquant sur contour du masque. On clique sur contour du masque. Là, vous avez la possibilité de regarder le contenu du calque sur différents fonds que vous choisissez ici. Et là, je vais choisir de le visualiser sur les calques, sur calque, c'est-à-dire dans son décor naturel, entre guillemets, avec les autres calques visibles derrière. Et alors ici, vous allez pouvoir modifier le contour progressif pour rendre le bord de l'arbre un peu flou. Remarquez, je viens de zoomer pour regarder parce que ça n'est pas si évident que ça. Donc j'augmente le contour progressif ici et le bord de l'arbre devient un peu flou. C'est un peu plus naturel peut-être, hein, comme ça. On est d'accord? En plus de ça, je vais décaler le contour, c'est-à-dire le contour est flou, mais ça laisse apparaître du ciel maintenant. Mais je vais le rétracter, le décaler, avec le curseur décalage ici. Voilà. Donc, vous jouez sur les paramètres qui sont là, vous pouvez tester d'autres paramètres. C'est une nouveauté dans Photoshop, c'est l'amélioration des masques. Voilà. En cochant améliorer l'original, vous allez pouvoir voir l'avant et après. Avant, après. À vous de voir si ça améliore ou pas. En tout cas, ça peut résoudre des problèmes. Et alors, ici, je vais cliquer sur OK et ça va me faire une sortie. Vers le masque de fusion, donc là ça risque de mettre à jour le masque de fusion. Peut-être que par sécurité je vais demander que ça fasse un nouveau calque avec le masque de fusion que je viens de faire là, celui amélioré. Je vais demander un nouveau calque avec le masque de fusion amélioré. Voilà, sortie vers nouveau calque avec masque de fusion. Ah oui, on a aussi une option décontamination des couleurs quand on a des franges colorées. Enfin, vous voyez qu'il y a des outils là. Et je clique sur OK. Résultat. Le calque original, son œil n'est plus en face, il n'est pas affiché. Et le nouveau calque avec le nouveau masque est là. On le voit un peu d'ailleurs quand on zoome, il est un peu différent. Alors, on peut aussi comparer en regardant l'ancien ici. À gauche et le nouveau. C'est sûr qu'on a perdu un peu de feuillage, hein. Ça a bouffé du feuillage.